distance venir des arocos. Et on dit le responsable distance venir des tibos. Alléluia. Il est le maréchal de la brigade anti-sorcier. Bien aimé, j'ai ce soir là-bas de vous présenter l'homme de Dieu. C'est notre cri de guerre. Dieu aime le bruit. Dis amen. C'est que Dieu aime le bruit. Il est Jehovah Shabaoth, l'Éternel des cieux des armées. Jehovah Shabaoth, le Dieu des armées. Dieu aime le bruit. Alléluia. Je suis le responsable de 100 000 états. Il n'y a pas deux. Allez, sur les deux, c'est Zaroko. C'est ici, j'aurai l'occasion de vous expliquer. Mais il n'y a pas Divo, il n'y a pas Zaroko. C'est Zaroko. Zaroko. Et puis Divo, c'est Divo, c'est Zaroko. Ben Zaroko, ben Zaroko. Sinon c'est Zaroko. Zaroko, ben comment? Seigneur.
I'm sorry.
longtemps que tu en es. Il y a très longtemps que je me fatigue. Quel est ton nom? Quel est ton nom? Vous vivez avec les démons, c'est comme ça. Tu penses que non, mais il y a des démons. Comment tu t'appelles? C'est bon. Comment tu t'appelles? Quel est ton nom? Quel est ton nom? Donne-moi ton nom. Scorpion! 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 Et c'est depuis quand tu vis en elle? Depuis très longtemps. Et qu'est-ce que tu as gâché dans sa vie? J'ai tout gâché dans sa vie. T'as gâché elle quoi? N'arrive pas à voir un mari. Elle n'arrive pas à voir un tout mari. Ce qu'elle fait ne lui prospère pas. Il y a longtemps, je suis en elle. Il est trop fatigué de sa vie. Tout ce qu'elle entreprend ne marche pas. Je garde tout de sa vie. Pourquoi? Pourquoi ça? Pourquoi tu as caché sa vie? Il y a trop longtemps que je suis en elle. Comment tu es rentré dans sa vie? Comment tu es rentré dans sa vie? Comment tu es rentré dans sa vie? Tu es rentré comment dans sa vie? Par ses ennemis. Ok. Mais maintenant, je t'ordonne, dans le nom de Jésus-Christ, de quitter sa vie. Quitte sa vie. Mais où tu veux que je m'en aille? Dans la mer. Je t'envoie sous la mer. Tu veux que je m'en aille où? Sous la mer. Oh, laisse-moi! Je t'envoie sous la mer. Je t'envoie sous la mer. Tu m'attends? Elle a désormais un nouveau maître, c'est Jésus. Son nouveau maître, c'est Jésus. Quitte sa vie. Quitte sa vie. Quitte sa vie. Je m'en irai pas. C'est un ordre. C'est un ordre. Non. Ça ne se discute pas. Ça ne se discute pas. Son âme appartient à Jésus. Sous la mer. Il n'en est pas question, non. Maintenant même, je t'envoie. Non. Feu sur toi. Mais où tu viens que j'aille? Feu sur toi. Où tu viens que j'aille? Feu. Oh. Feu. Oh, laisse-moi. Feu sur toi. Feu sur toi. Feu sur toi. Feu. Lâche-la. Lâche-la. Et va dans la mer. Je te commande d'aller dans la mer. C'est ma femme. Il y a longtemps que je suis en elle. Au nom de Jésus-Christ. Je te commande de lâcher son âme. Je te commande de la libérer. Lâche-la. Lâche-la. Va-t'en. Va et maintenant. Va et maintenant. Dans le nom de Jésus. Va-t'en. Va-t'en. Voilà, quitte. Quitte sa vie. Quitte sa vie au nom de Jésus. Et va sous la mer. Va-t'en. La délivrance, ça s'impose à tout le monde. Vous êtes là, vous connaissez l'échec, un non-aboutissement, vous pensez qu'il s'est fait d'hasard. Pourtant, il y a un esprit dans votre vie. Tant que l'esprit n'est pas délogé, chacun de vos vies, sera difficile pour vous. Et là, il y c'est une bénédiction. Parce qu'il vit en vous, il vous contrôle. La Bible dit que vous rentrez dans la maison, le corps et l'homme est construit comme une maison. Et la Bible nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Il faut que l'homme soit délogé. Voilà. Il y a des esprits qui ont besoin de quitter vos vies. Oui, oui, oui. Parce que Dieu ne t'a pas créé avec l'échec. La gonne, t'a créé avec une étoile. On est en série. L'étoile qu'on appelle chance. Non. Et quand ça n'arrive plus à briller, c'est qu'il y a un esprit qui est venu étouffer ça. Quand que l'esprit de papa, sera difficile pour toi. Et tellement. Tu connais peut-être une femme, un homme. Non, quand oui, oui. C'est les gens bizarres. Quoi, c'est bon, oui. Ceux qui te prennent toco. Ah, pour moi, c'est bon. Après, on me bon. Quoi, oui. Quand l'homme nous dit, quoi, quoi, moi. Non, pas bon, quoi, moi, toi. Vous connaissez l'homme nous dit. Ah, il nous dit. Je dis des j'aime, là. Yamapuji. C'est qu'il a fini de boire là. On vient d'un. Il passe plus près de toi. On peut le vous. Mais toi, tu te regardes, tu dis, mais Bondi, elle fait quoi, Bondi? La goïde, ça, la goïde. Tu as défilé d'église en église. Un peu, par exemple, tu n'es pas tombé ici, quelqu'un qui te livre. Et c'est moi, Dieu dit. Chaque matin, tu as des rangs à miroir, Seigneur. Et il va dire, tu vois, j'ai vieilli. Et pourquoi, comment? J'ai vieilli.
Et pourquoi mais? Dis-moi de ta vie. De quoi il t'a épousé? Il faut la délivrance. Il a dit hier. Ça s'impose. Exonérer. Amen. Parce qu'on ne suit pas comme ça Jésus. Quand on va à l'église, il faut que Jésus nous délivre. Parce qu'on ne vient pas à Jésus-Christ qu'on est délivré. On vient à Jésus qu'on est possédé. Il dit, venez à moi, vous êtes chargé. Je vous donnerai du repos. Celui qui nous délivre. Moi, je dis Jésus. Jésus accepte tout le monde. Il nous accepte avec mon démon. Ne vous arrêtez pas au stade d'acceptation de Jésus-Christ. Cherchez à vous faire délivrer. Non, le pasteur il prêche bien, c'est vrai. Et le monsieur qui t'écoute, est-ce qu'il est délivré pour mettre la parole en pratique? Il dit, délivrez-le, laissez-le aller vivre. Ils sont des chrétiens. Ah, nous, on prêche par la parole ici. Nous, c'est la parole. On a ça fait, ça va de pair. Mais celui à qui tu prêches, il a un démon en lui. Encore, il me délivre, non? Tu le prêches, mais il a un démon. Quand il m'entend, t'écouter, il va. On peut lui l'emmener. Dans le péché après. Donc si vous annoncez l'évangile, et si les personnes, délivrez-les. À ça dit. Ici, c'est un son de délivrance. Amen. Amen. Je m'en ai dit qu'il n'y a pas de divo, il n'y a pas de. C'est divo, dépend des arocos. C'est ici notre bar. Ah, le prophète allait à la télé, il dit on délocalise, c'est faux. Je n'ai jamais dit délocaliser. Vous aimez transformer la parole. J'ai encore l'élément vidéo. Il dit on a mis notre siège. L'administration a dit. Pas délocaliser. Et là, ça ne fait ça que tu vas. Ça ne fait pas. Non, c'est comme ça. C'est bas. Faut bien écouter. Et là, prenez vous c'est nous. J'ai été attaqué à Bijon, on n'a pas parlé de ça. Hein. C'est une télévision délocalisée, là, c'est de ça qu'on parle. Vous voulez pas. Ah, allez, nous, ici, là. C'est chez nous. Vous n'avez pas mangé. Amen. Moi, il n'y a pas peur de qui, il n'y a pas peur de quelqu'un. C'est le vin, les gens ont peur de ces sorciers. Moi, il y a un sorcier, puis il le neutralise. Et maintenant, il y a un sorcier. Avoir peur de vous, puis la vérité. J'ai dit, Dieu m'a dit. Quand Dieu me disait ça, les gens trouvaient ça un peu bizarre. Il y a un sorcier, il y a un sorcier. On acclame le Seigneur. Pendant que je parle, le Saint-Esprit à l'œuvre. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Elle est délivrée, est-ce qu'on peut acclamer Jésus? En quelques minutes, c'est parti. En quelques minutes, les démons, ça qu'on les chasse ici. Vous savez, là où on chasse des démons, ils ne mettent pas les têtes là-bas. Ici là, sorcier ne va pas venir. Magicien ne va pas venir si elle est à l'aise. Magicien ne va pas être à l'aise ici. Parce qu'il y a le feu ici. Un franc-maçon ne peut pas venir, tu peux être à l'aise. Un franc-maçon, un rosicrucien, un petit chien peut pas être à l'aise ici. Alléluia. À l'aise là où on ne les chasse pas. Mais quand tu vas commencer à attaquer les démons, ils vont commencer à fuir ton ministère. Amen. C'est pour ça qu'ils ne nous fréquentent pas. Parce qu'ils savent qu'ici il y a le feu. Ils se sont versés dans les églises maintenant. Ils achètent des voitures, pasteurs. Parce qu'ils veulent baptiser l'église. Aujourd'hui, tiennent toutes les banques. Ils tiennent pas mal de choses. Ce qu'ils ne maîtrisent pas, c'est l'église. C'est pour ça quand tu parles bien, quand tu parles, je t'écoute très bien. Quand tu vois que tu ne rentres pas dans ma vision, Tu t'écartes.
Depuis l'Angleterre, on fait une proposition. Angleterre, j'ai un frère qui est en Angleterre. Il est déjà au Maroc. Ah, il est au Maroc. Il a voulu qu'on organise chaque deux mois. Oh, il y a un programme au Maroc. Le Maroc, oui. En deux heures du temps, tu es au Maroc. La Côte d'Ivoire. Dans 100 000, quoi. 4 heures du temps. À Casa, au Rabat, pour une croisade. À l'Europe. Ils vont venir me voir là-bas. On va finir une semaine, ils vont partir en Europe. Moi, je reviens. C'est pas dit amen. On dit pas amen, vivi comme ça. Écoutez d'abord. Ah, vous avez dit amen. Amen, Billy, je suis d'accord. Amen, bien, j'ai étudié le dossier. Et bien, oui. J'ai dit, bon, moi, je prends mon avion. Il y a des avions quand même. Je suis parti à Casa, Rabat. Et bien, oui. Rabat, c'est la capitale. Rabat, Maroc, Casa. Ils vont repartir. Ah, bien, j'ai envie d'envoyer l'argent, c'est héros, non? Dans la ligne. Bon, dans la cour. Et Zaroko. Ah, non, les Zaroko, oui. J'ai oublié Zaroko. Et Zaroko, vous. J'ai fait deux, trois voyages. Et quand même, j'ai eu un bon niveau route là. Et là, il y a un petit foyer. Si j'ai fait deux tours, quatre tours, comme ça, comme moi, vous pouvez affirmer. C'est l'hôtel Ibis, on mange. Et puis, il y a un pour là. Je vous regardais en sortant. Et puis, il y a un pour là. Je vous vois bizarre. Il dit, moi, c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, je vais là où on attrape sauce. Et moi, le poids. Vous n'avez pas les moyens, demandez à Dieu, nous donne les moyens. À Zaroko. Ah, Zaroko, ça vous dit. Donc, écoutez très bien. Donc, après le prix. Vous qui traduisez très mal les actions. Ah, oui, il y a une amène présence. Ah, il y a combien après le prix. Quand un homme veut parler, il dit je dis. Quand on veut amen. C'est quand tu prends une parole, il y a force. Il est dans l'air. Et tu combats un homme de Dieu. C'est une malédiction. Pas vraiment, c'est un homme de Dieu ne parle pas comme ça. Il y a quoi, par exemple, vous. C'est une malédiction. Et là, pas on ne pas comme ça. C'est pas ton problème. Tous ceux qui se sont levés dans l'histoire de la Bible ont dit des choses sur les hommes de Dieu. C'est des hommes très sacrés. Ils sont très sacrés. Un homme que Dieu utilise, tu vois un fou. Qui guérit. Vous avez vu toute sorte de folie ici. Cette femme, elle est venue avec une folie exagérée. Vous avez vu ici des cas de folie terribles. Vous avez vu des miracles extraordinaires. Quelqu'un qui vient de tirer un canari à la chaîne. Oh, vous avez vu ici un cardinal dans votre truc. Non, il ne faut pas faire. Non, c'est à Calo. C'est qui dans votre truc. C'est pas n'importe qui. À Calo, on peut voir quoi. C'est pas n'importe qui. On peut voir quoi, les gars. Donc avant de parler, tournez sa langue. Qui a la meilleure concours, comment. C'est pas ton camarade. Et il en est con. Et c'est ça votre problème. Mais là, il y a un. Vous parlez parce que vous avez envie de parler. Non, pas parce qu'on a envie de parler. On ne passe pas contre un point. Je n'ai jamais dit que je vais être délocalisé. Et il y a ma carte, il y a un. Il y a ça comme ça. Jamais. Et nous sommes quoi. Jamais et jamais. Et n'y a pas un basique. Jamais. Et n'y a pas un basique. Sinon. Mais même les. Pour moi, Krasoul. Amen, Krasoul. Il a commencé à voyager. Et t'as payé le week-end, mais tu peux tout voir. J'ai trop d'invitations. Voilà, mais vous dites pas. Je suis en train de faire soi quelque chose. Ma, et ça, c'est quoi. Si je voulais regarder le comportement des gens. Et qu'avant la quoi, parmi vous. Ah, il vous dit. Votre cadre là. Ah, quoi, cadre, ouais. C'est le juge qui est ici. Mais je ne crois plus. De temps en temps. Bloco. Samuel. Samuel. À part lui. Moi, quand même. Tous les bâtards, je n'ai pas de problème. Et puis, diable. Bon, diable. Il m'a donné une offrande un jour. Moi, il a l'air de quoi, ça. Il m'a déjà. Moi, qui. À part ça. Mais pourquoi je n'ai pas encore vu. Il n'y a rien. Ma voiture c'est gâte. Là, tu veux dire. Il a rendu une voiture. Ça fait 800 000. Il y a déjà la voiture là. Ça s'est gâté trois fois ici. Quand tu as tout est correct. J'ai dépensé plus de 3 millions. Ça dit que ça n'a pas acheté une voiture. Je vous ai jamais dit de continuer après ma voiture. Et là, à bouche, il y a un autre niveau. Jamais je vous ai dit ça. Et là, ça ira. Moi, mes chers, mon argent. Ah, il va pas dans ma voiture. Le nôtre, bien. Quand je ne vais pas vous murmurer. Et puis, il y a un autre. Après, souvent, je loue taxi. Le nôtre, c'est pas dans votre poche. Attends, c'est mon argent. L'entraînement. Je loue, ça fait 20 000 francs par jour. 20 gros, il est là, bon. Pendant 10 jours, calculé. Ah, c'est là, à quoi il est là. Il faut payer des charges. Et quand vous y êtes, quand vous y êtes, quand vous y êtes, il y a ce sacrifice. Et non, non, c'est là, oui. Vos routes, là. En qui c'est la voie la plus bizarre de la Côte d'Ivoire. Bah, l'école, il va me papa. C'est là-bas la plus bizarre, non? Moi, j'ai dit, mais regardez l'homme que je suis, et puis le sacrifice qu'il a fait pour dire, mais il est le frère, il est sonné. Mais ce monsieur, même pas pour critiquer, mais critiquer. J'ai rien qu'à voir, je vais. C'est moi que Dieu a choisi pour vous dire que vous êtes un homme. Il m'a utilisé.
couper les funérailles. Vous ne faites plus les funérailles. Vos funérailles sont moins, rien 500 000. On a traité les corps, bâches, les funérailles, boissons, non, au moins 500 000. Bah, vous ne faites plus ça. Vos enfants ne meurent plus. Vos parents ne meurent plus. Un monsieur comme moi, ailleurs, il serait comme de l'or. J'ai trop vécu de méchanceté ici. J'ai gardé mon sang froid. Je continue parce qu'il y a la compassion des âmes. Je ne regarde pas ce que vous dites. Mais je regarde au salut. Sinon, Abidjan. Abidjan. Pour m'avoir même une ministre, c'est difficile. Et quand tout le monde aimerait qu'il soit dans son salon. Pourquoi ça ne m'intéresse pas. Mais moi, je vais être à l'intérieur. Et moi, copé, mais en train de faire la mission de Dieu. C'est quoi la c'est tout mon problème. Mais là, c'est tout mon problème. Mais là, oui, c'est de travailler. Et là, nous nommer. Le monsieur est sorcier. Même quand le coup il a ménagé Jésus. Là, moi, il s'est dit que nos parents sont dans les villages. Avec toi, parce qu'il n'y a plus de prédicateurs dans les villages. Quoi, ça vient, la les jeunes n'évangélisent plus. Quoi, ça vient, la coquille. Ou même, on a une église dans le village. Un celui qui est là, mais c'est un balibi. Ah mon coco, il est ici. On a vu les pasteurs ici. Ah, un pasteur. Parce que les sorciers m'attaquent ici. On est couvert en Dieu, bon. Les pasteurs disent oui. Comment tu lis la Bible? Bon, il a dit, il dit, non, livre-moi, traduit. Mon Dieu. Ah, chose. Bible que je connais, fait 3 ans d'études bibliques. Ah, moi, si t'as un livre, tu connais pas l'ABCD. Il y a un livre, toi, tu traduis. Mais quoi, chose, c'est vous comme Yama. Respectez la parole de Dieu. Ah, tout d'accord. Il n'y a personne pour prêcher. Bon, les gens sont à Abidjan. Ok, Abidjan. Et toi, tu viens entendre la parole de Dieu. Ah, ok. Donc, quand quelqu'un est mal nourri, on a qui a la malnutrition spirituelle. On a qui a un chrétien bizarre. Et c'est pour ça qu'il est là. C'est pour ça quand je rencontre des hommes de Dieu, je retourne, je les interpelle à aller évangéliser. Et là, on a qui a. Il dit, allons-y à la parole. Amen. Retournons à la parole de Dieu. Allons-y dans nos villages. Allons annoncer l'évangile. Allons-y annoncer l'évangile. Et depuis que nous sommes dans le baptême, le constat est fait. Nous avons gagné beaucoup de personnes à Jésus. La plupart des jeunes, quand on commençait à être transformés par Jésus, nous avons commencé à suivre cette œuvre de Dieu. Malgré les attaques, ça, il est encore. Nous avons continuons toujours de faire l'œuvre de Dieu. Notre mission, c'est de gagner le maximum de personnes. Il n'y a pas de gagner, mais c'est la mission. C'est de permettre aux gens de connaître Jésus. Et là, pas de quoi il m'est et délivré. Des œuvres de la sorcellerie. C'est notre ministère. C'est notre combat. Et c'est le ministère le plus difficile. Que chaque jour tu as affaire aux esprits. Chaque jour. Il est beaucoup. Chaque jour. Il est beaucoup. Même si vous pensez que la création est bizarre. Ah, vous croyez au quoi des œuvres. Non, mais avant déjà bizarre. Si ce n'est pas Dieu d'accord, qui est avec moi, moi ça, ce n'est pas nos gens. Et dans le Sigako, vous connaissez vos régions. Aïe, même moi, je ne les provoque pas. Vous savez bien. Aïe, 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 vous connaissez ce sorcier, ce n'est pas mon camarade, c'est pas mes camarades. Aïe, 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 j'ai cette onction là. Même moi dans une maison. Il y a un sorcier. Vous pouvez neutraliser. Et non, bien, c'est comme ça que je suis. Chacun a son onction. C'est pas seulement dans ta chambre, c'est fini. Et pour vous, c'est l'onction. C'est pas dans ton village, c'est fini. Et puis, tout va bien. Demandez aux gens d'ici. Alors, ils voient le feu partout. Ouais, j'ai quoi que ils voient le feu partout. Ouais, que j'ai quoi. Amen. Demandez à qui que c'est descendu à Douaville là-bas. Alors, tout le monde est chouboué empoisonné. Ouais, amen. Tout le monde sent chouboué empoisonné. Parce que l'homme a droit à la vie. C'est ça. Là où il y a l'église, l'église peut mettre la vie. Le chemin, la vérité, la vie. Donc étant église, les parents, nous devons communiquer la vie autour de nous. Et c'est le combat que nous menons. La sorcellerie existe. Avant le coup. Est-ce qu'elle existe? Qu'est-ce que nous faisons? Il faut qu'on ait la. Parce qu'il y a des personnes ici innocentes. Voilà, victimes de cette méchanceté. On les tue. On les mange. On les détruit. Et nous sommes assis. Là, à cause de quoi? Moi, je suis révolté contre la sorcellerie. Ça, personne ne peut m'arrêter. Même au prix de ma vie. Si tu mets un revolver, tu dis. Et quand les dis que j'arrête ce travail. Non, mais on y veut. Dis. N'a pas. C'est fini?
Je suis révolté contre la sorcellerie. Et moi-même, je délivre sorcier. Je lui donne la règle pour faire commerce. Ouais. Comment se transformer les gens? Je ne suis pas comme les autres qui tuent les sorciers. Mais il y a des sorciers, quand il les trouve, j'essaye lui là. Il y a des gens n'ont pas besoin de prier pour eux. Tu les gères. Et quand ils sont gérés. Alléluia. Tu sais, il n'a pas changé. Il y a des gens qui ont changé. Tu montes, descends. Il ne peut pas changer. On a que dit. Tu les gères. Amen. Et non, yo. Mais j'ai toujours aidé même les sorciers. Même quand il y a un vous avez assisté dimanche. Là, il y a un petit Dival. Il a fait une année ici. On a besoin. Mes parents m'ont même laissé. Ils l'ont abandonné. Ils l'ont récupéré. Pourquoi? Parce que s'ils répartent, ils sont forcés. Il allait dans un environnement où les gens n'acceptaient pas sa vie. Il allait replonger dedans. On a je me suis occupé de lui. Et bien encore. De sa nourriture. De ses vêtements. On me plaît. Doucement. De négociation avec son père. Son père a fini par accepter. Je lui ai demandé de reprendre l'école. Non, il a repris l'école. Ok, à l'école. Amen. La toi, la Bible. Rassou ne fait pas des maltraitants d'enfants. Il y a le petit Adam, ses parents ne croyaient pas sa délivrance. Adam, il est amené ici. Il est lundi, le lundi, il va l'inscrire, il va reprendre ses cours chez moi. On est chez moi, un divorce. On est quand même bien. Un ex sorti, on l'appelle ex, c'est fini. On est là, coup camion. Donc, aidons les gens. Là, quand même, en tant qu'église. Là, par exemple. Et je travaille, nous sommes en train de faire. Il y a le même, non, c'est qu'ils nous ont inculqué dans la tête. Faut tuer. Avec un et en tête, vous comment, il faut le tuer. Nous cherchons à savoir pour le délivrer. Avant nous délivrons les gens. Nous, notre ministère délivre les sorciers. C'est le travail que nous faisons ici. Et notre base. Tiens, quelqu'un écoute très bien. Notre base là. Amen. Amen. Je suis venu juste pour communiquer là-dessus. Et il y a quelque part. C'est Zaroko. Zaroko quoi? Quand ma voiture se garde, ça vous dit rien. Là, tu es comme ça, c'est de localisation là, que vous dites. Mais avec là, et c'est dans vos mains que vous avez. Ça ne fait pas de bruit quand ça se garde. Et comme ça, tiens, il est. Ah, il y va des. Ça vous dérange. Oh, que vous avez un blague qui veut. Mais quand il y a. C'est ça qui vous fait mal. Moi, ma voiture se garde. Là, tu es là, et là, vous êtes là, et là. Vous savez comment il mange, comment il dort, comment il va venir ici. Il est innové, il est là. Aïe. Soyez un jour gentil avec grâce au moins. Ah ben là, c'est pourquoi on a pas de arrêtez tout ça. Arrivez, faites trop de sacrifices. Ma main n'a pas dit qu'elle a un bon. Aujourd'hui, la sacro de grâce avec un bon. Ici, elle est internationale. Mais après, ma main, c'est la première fois qu'il vient en Côte d'Ivoire. Ok, ok, ça m'a mis. Il vient en Allemagne. Ok, Allemagne, ok. Il a suivi Zaroko. Moi je suis régi parce que je suis en train de le voir, regardez. Le chemin que tu voyais là, c'est d'ici. Lui-même, il reconnaît le visage des gens. Oh, il ne me fait pas. Hein. Zaroko est devenu un truc international. Zaroko, maman, il est devenu international. Avec les hommes, même lui là, il est devenu international.